Bonjour à tous les amis, c'est le Farmer Belge. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur F1 2017. Alors vous allez voir, on va découvrir le gameplay que Codemasters a sorti hier. Bon, hier je sais pas à quelle heure, on verra. Il y a 16h, ouais bon bref, il est 7h45 alors je tourne la vidéo, donc voilà. On va regarder ça, donc on va mettre ça en français. On va faire quelques arrêts sur image. Essayer de pas mettre trop de son. Ouais, donc on peut mettre Monaco de nuit, à mon avis. Par contre, je suis pas en 720p. On va recommencer, je suis désolé, mais c'est pour avoir une meilleure qualité. Sinon, la qualité, elle va être dégueulasse tout au long de la vidéo, donc ça sert à rien. Franchement, les graphismes, ils sont exceptionnels. Hein. C'est pour répondre à Lorraine Clash, hein, qui me disait que les graphismes étaient dégueulasses. Là, si tu me dis qu'ils sont dégueulasses, je te comprends plus, mec. Hein. Voilà. Ils sont très très jolis, hein, ces voitures. Et sous la pluie, etc. C'est très très bien fait. Franchement, les voitures, elles sont excellentes. Les voitures historiques maintenant. Très très bien faites aussi. Celle de Senna. La Renault, la McLaren. Ils sont magnifiques, hein. Franchement. Et là, on peut voir donc qu'on va commencer à avoir des petits crashs comme si, regardez, le mur de pneus, comment il bouge. On va juste revenir sur l'image. C'est exceptionnel. Franchement, le travail qu'ils ont fait là-dessus, on peut vraiment leur dire chapeau. Comment le mur de pneus, regardez, bouge. Voilà. Puis après, les départs, etc. C'est juste les ailerons qui sont un petit peu trop haut du sol, c'est ça. C'était Hydro qui disait ça dans sa vidéo. Et c'est vrai que quand on regarde bien, j'ai regardé un petit peu, hein, je me suis intéressé. Dans la vraie vie, c'est vrai que c'est pas du tout comme ça. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, en tout cas, les amis, moi, ce que j'en pense du trailer, bah, moi, je trouve qu'il est exceptionnel. Regardez, il a qu'un dislike. Ça va être un rageux, je pense. Mais franchement, ouais, c'est. Voilà, c'est tout simplement. C'est de la bombe, hein, quoi, c'est de la balle. Born the Wheel, ouais. C'est exceptionnel, quoi. Quand vous regardez, franchement, c'est exceptionnel comme trailer ils nous sortent. Hein. Je pense qu'ils vont sortir un par semaine maintenant. Étant donné que le jeu il sort le 25, donc je pense qu'ils vont faire ça. Là, ici, on va un petit peu plus loin, donc ils nous présentaient la Renault, etc. Mais franchement, ce trailer, il est exceptionnel. Clairement. Voilà, c'est juste les crashs ils me font kiffer en fait, hein, parce que comme il y en a beaucoup qui disaient justement, voilà, les crash simulation c'est vraiment de la merde dans F1 2016. Je suis peut-être d'accord avec vous, mais je pense que dans F1 2017 ça sera corrigé tout ça. Et ce que j'espère aussi, normalement, oui, hein, ce sera les numéros qu'on aura sur les ailes de requin. Qui a été adapté en Espagne, ou alors pourquoi pas nous mettre dès l'Espagne, ça pourrait être pas mal, ou est-ce qu'ils vont le mettre depuis le début de la saison, je sais pas. Mais en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo trailer vous aura plu. C'est que la troisième ou la deuxième, je ne sais plus, sur la chaîne. Donc voilà, dès qu'il y a un nouveau trailer qui sort, bah je serai là avec vous pour l'analyser. Et on se retrouve bah, pour de prochaines aventures. Allez, ciao!